Bonjour à tous, c'est Vandrak. On se retrouve pour le 14e épisode de Hotline Miami. Pour continuer la mission débutée dans l'épisode précédent. Et on va y aller tout de suite. D'accord. Ici. Bon, il voulait pas réagir. Bon, faut le faire réagir un petit peu. Alors, ensuite, il y a des trucs là. Ah, il a une arme à feu, lui. Et puis lui aussi. Il me semblait qu'il y en avait un qui était pas... Il n'était pas mort. Là aussi, voilà. Toc, lui veut toujours pas bouger. Eh ben, machiner comme ça. Hop là, venez les gars, venez. Tout le monde est là. Eh bien, s'il me semblait. Hop. Alors là, pardon. Parlons pour le coup dans le micro. Je vais aller faire lui là-haut. Voilà. Allez. Brandon, nouvelle arme, fléchette. Vous avez un nouveau message. Salut, c'est Jane, ça me fait plaisir de te revoir. Ça te dit de sortir à nouveau ce soir? On va se me prendre sous la 158e rue, au nord-est, autour de 9h, ok? Et mets-toi un de tes jolis costumes. Ce soir, tu m'emmènes dans un endroit chic. Chapitre 18. Prank Call. Ah, ça sent la fin. Juste pour le plaisir. Et surtout que ça concorderait pas avec le chapitre. Avec l'autre chapitre si c'est pour la massacre. Hop. Intéressant, la 87e place au nord, hein? C'est donc là que tu te cachais.
Sors d'ici si tu ne veux pas mourir. Ok, fais comme tu veux. Ah oui, d'accord, on n'a pas le droit de sortir en fait. Tu as eu ta chance. Ouais, sauf que du coup, là, ça se passe pas comme le premier coup. Ça ne se passe pas comme le premier coup. Vous avez un nouveau message. Salut, c'est Ben, du funérarium de Miami. Je vous appelle juste pour vous dire que la pierre tombale que vous avez commandée est prête à être livrée. Avec un peu de chance, vous devriez la recevoir avant le week-end. Chapitre 19, résolution. Qu'est-ce que c'est de ça? Il semble que j'ai besoin d'un mot de passe pour accéder à cet ordinateur. J'ai tenu une question à poser. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes qui, vous? Tu ne sais pas? Ah, c'est pathétique. Je pensais que tu me connaissais depuis le temps. Devine, connard! Quoique maintenant, ça ne change pas grand-chose, pour vrai. Quelle question stupide. T'as vraiment besoin de demander? Qu'est-ce que tu crois, connard? T'es au courant de rien, pour vrai? Vous croyez que c'est un jeu? Pourquoi vous faites ça? On s'ennuyait, c'est pour ça. Pourquoi devrait-on justifier nos actes? Tu as fait des choses bien pires que nous, pour vrai. En plus, tu sais combien d'argent on se fait? Pourquoi vous tuez des gens? Tout ça pour rien. Tout ça pour rien? On a tué personne, toi si. C'était tous des ordures de toute manière, tu crois pas? Tu penses qu'il méritait de vivre, hein? C'est ça, un dernier mot? Ah ah ah, t'as l'air déçu. Qu'est-ce que t'attendais? Je crois qu'on en a fini avec tes questions. Ouais, c'est ton tour. C'est tout? Bah, c'est tout. Ah, cette fois, c'est la fin. Ah non, si c'est tout, c'était pas la fin. Nouveau masque, Louis. Ah bah si, c'est la fin. Ouais. Attendez. Chapitre 19, résolution. Chapitre bonus, highball. Special chapter. Exposed. Chapitre bonus, highball.
8. Difficile à repérer. Ça déjà. D'accord. Ok. Ça fait pas partie de l'histoire, hein, mais bon. Si j'arrive à le finir, on sait jamais. Et bon, vu comme c'est parti, c'est mal parti. Elle les a pas tués. Ouais, bon. Vous en verrez peut-être pour la fin. Voilà, il avait pas d'armes, j'ai cru. Bon. D'accord. Mais il one shot à chaque fois là. Enfin, il bouge même pas, tu sais. Mais merde. Oh là là. Pas possible d'être aussi nul. C'est pas possible d'être aussi nul que ça. Oh, il a récupéré le gun. Bon. Mais
D'accord. Ouais. Hein? Oh, ils ont des gueules. Un petit peu quand même. Oh bah non. Oh la vache. Bon, vous savez quoi? C'est un chapitre bonus, de toute façon, il fait pas partie de l'histoire. Mais soyez pas déçus, je vais quand même essayer de le faire dans un autre épisode. Bon, et bien sur ce, j'espère que cette histoire vous aura quand même intéressé, même si bon, c'est assez particulier et qu'on comprend pas tout. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de réponses aux questions qu'on peut se poser. Mais bon, c'est pas grave. Essayez-le. C'est un bon jeu. Allez, ciao.